Qui a gagné Top Chef ah, Ça, je ne peux pas dire. Sinon, euh, on va me demander beaucoup d'argent. Nous sommes au collège saint guibert de Jeanblou, dans une classe de cinquième primaire. Et on reçoit aujourd'hui un spécialiste de la cuisine, candidat à Top Chef, Brian de Bouche. Bonjour. Bonjour. Quelle réaction avez-vous eu quand vous avez été pris pour Top Chef Ah bah c'est cool. En fait, je n'ai pas eu plus de réaction que ça le, le jour où je l'ai appris parce que j'étais en train de travailler. J'étais levé depuis euh, 7 h du matin et euh, il devait être 19 h, j'étais un peu fatigué. J'avais encore le service du soir, donc euh, je n'ai pas vraiment réalisé sur euh, le, le premier jour. C'est plus une semaine après, quand ils ont commencé à m'envoyer les contrats, etc. Et là, je me suis dit, ouais, je suis vraiment dedans. Ça fait quoi d'être entouré de caméras Moi, personnellement, ça ne fait rien du tout. J'avais l'habitude de faire le guignol et le zouave à, à l'école déjà, donc euh, finalement, ce n'est pas, pas quelque chose de très différent. Est-ce que parfois vous n'avez pas d'inspiration Non, jamais. J'ai toujours de l'inspiration. On est plusieurs dans ma tête, donc il euh, y en a toujours au moins un qui a une idée. Dans Top Chef, vous faites des plats, mais est-ce que euh, vous étudiez vos plats à votre maison Je m'entraînais beaucoup à la maison. Alors, je ne savais pas quel plat elle est tombée, évidemment. Euh, on le sait le jour J. Mais du coup, on essaye de s'entraîner à, bon, ben si le thème c'est le chocolat, qu'est-ce que je pourrais faire si le thème, c'est fruits de mer, euh, qu'est-ce que je pourrais faire Comment est-ce qu'on lève ce poisson Comment est-ce qu'on cuit ce coquillage Donc ouais, je me suis entraîné. Est-ce que vous vous attendez au thème qui a été mis dans Top Chef Non, pas du tout. Et la carotte Ah bah la carotte, oui, on le savait. Euh, en fait, on savait, ils nous ont dit trois jours à l'avance, euh, « réviser la carotte, la poire et l'œuf euh, et, et donnez-nous une esquisse de ce qui allait tomber. » C'est juste pour le premier épisode où on savait trois jours à l'avance... Euh, euh, les thèmes mais on ne savait pas lequel allait tomber d'ailleurs j'ai dit euh, les trois là mais en fait ils nous ont donné euh, six sept autres euh, thèmes euh, et puis ben c'est que les trois là qui sont tombés moi je suis tombé que sur la carotte c'est plus stressant top chef ou euh, se présenter devant une classe je crois que c'est se présenter devant une classe parce que moi euh, ça fait 20 ans que je suis pas rentré dans une classe comme ça donc euh, ouais c'est peut-être euh, plus être euh, devant une classe parce que il n'y a pas une caméra inerte qui me filme mais euh, 25-30 euh, perdus euh, et qui sont fixés sur moi. C'est peut-être un peu plus stressant, mais ça va, je crois que je m'en sors bien. Merci à vous pour toutes vos questions. C'est super intéressant. Et puis, ben, on se retrouve le mois prochain avec un prochain invité. Au revoir.